Et l'un des modèles qui me donne le plus envie de la prendre, c'est cette fameuse MG Cyberster. Ça fait plus de 2 ans qu'on en parle maintenant, ça y est, la production est lancée. On va en recevoir en France dans pas longtemps et d'ailleurs, on va l'essayer fin novembre. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette superbe machine? Eh bien, sachez que c'est une voiture électrique. Ouais, ça, c'est une voiture électrique. On aurait pu mettre un V6 à l'arrière, mais non, non. Les gens de MG m'ont dit que c'était une voiture électrique. Et c'est pire que ça, c'est pas une voiture électrique comme une autre, c'est une voiture électrique avec un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, et le tout, poum, 510 chevaux. Heureusement, ils ont aussi prévu une version propulsion à un peu plus de 300 chevaux. Et le truc donc qui fait vraiment kéké man, c'est ça là. C'est ça. Là, on se croirait voilà, chez kéké. Mais c'est sympa quand même, non? Bah, je sais pas. Bah, j'aime bien. On va l'essayer bientôt, les gars. Bon, bah, il va falloir revenir, hein. Aller sur la revue automobile. Il y aura bientôt un essai, il y a les fiches techniques, il y a le prix, hein, 67 000 euros pour cette version de 510 chevaux, c'est pas cher. Et c'est un roadster, les gars. Tesla en a rêvé, et bah MG le fait.